Avec la pandémie du coronavirus, les droits humains sont à la peine. Les inégalités se creusent et les libertés sont questionnées par les confinements, les couvre-feux, les fermetures de frontières. Dans ce contexte, et malgré les incertitudes, le collectif organisateur a décidé de maintenir sa 14e édition du Festival Cinéma et Droits de l'Homme et vous propose 16 séances autour de différentes thématiques qui feront l'objet de débats avec de nombreux intervenants. Parmi les thématiques abordées pour l'édition du Festival 2021, la liberté d'expression, les droits des femmes, la souffrance au travail, les conflits armés et leurs victimes civiles, les mineurs isolés, les dérives du numérique. En raison des limitations d'accès aux salles de cinéma, nous avons pris la décision de prolonger le festival dans les mois qui suivront, avec un retour en salle dès que cela sera possible. Toutefois, au mois de janvier, nous vous invitons à vous connecter sur la plateforme de vidéo à la demande des Mutins de Pangée pour y retrouver deux films de la sélection, Le Char et l'Olivier et Made in Bangladesh. Ces visionnages seront suivis de débats en ligne qui se tiendront les samedis suivants à 17h. Nous espérons vous y retrouver. 1897, c'est le premier congrès sioniste mondial où Théodore Herzl fait passer l'idée de la construction d'un État, d'un foyer d'ailleurs à l'époque, national juif en Palestine. Ce colonialisme-là avait comme projet de remplacer des Palestiniens par une population venue d'ailleurs, et en particulier venue d'Europe. Ben-Gourion déclare unilatéralement la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, sur 55% de la Palestine mandataire. Les Nations Unies votent la résolution exigeant le retrait israélien des territoires conquis en juin 1967. Les Palestiniens attendent toujours son application. It is very dangerous, not for me, but for all the Palestinian children. ওকে তোমাকে না বলা তোমাকে বলবা যে তুমি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হইছো আপা আমরা মায়া মানুষ তো বিয়া করলো জ্বালা না করলো জ্বালা